C'est la journée internationale des droits des femmes et beaucoup de féministes étouffent. Elles étouffent parce que des hommes, des propagandistes de guerre, donc principalement des hommes, ont déterminé ce qu'elles avaient le droit de dire ou non lorsqu'elles se piquaient de vouloir défendre le droit à la vie des Palestiniens et des Palestiniennes. Ces féministes étouffent parce qu'elles n'ont même plus le droit de se demander si finalement on n'est pas en train d'instrumentaliser la question des violences sexuelles contre les femmes pour justifier le génocide à Gaza. Israël a donné sa vérité sur ce qui s'est passé le 7 octobre et ce récit, en tout cas en France, on n'a même plus le droit de le questionner sans risquer de se faire accusé d'être contre la cause des femmes. Un exemple parmi d'autres, la sortie de la ministre française de l'égalité homme-femme, Aurore Berger, qui le mois dernier a déclaré qu'elle allait tout simplement supprimer les subventions aux associations féministes qui seraient ambiguës par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Autant vous dire donc que dans le climat actuel, l'interview qui va suivre fait du bien. Notre invitée, c'est la sociologue française Zahra Ali, qui est spécialiste des questions de genre, de classe et de race, et qui enseigne aujourd'hui à l'université de Newark aux États-Unis. Pour Zahra Ali, l'instrumentalisation de la cause des femmes n'a malheureusement rien de surprenant. Elle s'ancre dans une pensée coloniale depuis longtemps à l'œuvre qui déshumanise les hommes arabes afin de justifier les pires crimes de l'Occident au Moyen-Orient. On l'écoute à ce sujet. Alors, c'est quand même un vieil argument qui est vraiment un argument colonial qu'on a connu, qu'on connaît depuis un certain temps, hein, notamment dans la région du Moyen-Orient et dans les pays arabes et à majorité musulmans, qui est de stigmatiser les hommes arabes, de les décrire comme des hommes violents, des violeurs, des hommes qui détestent les femmes. Et je veux dire, là, il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'invasion américaine de 2003, avec ce discours donc de Bush, de Laura Bush, par exemple, qui disait que l'invasion américaine était là pour libérer les femmes irakiennes. Et donc, c'est toujours ce discours de les hommes blancs qui vont libérer les femmes de couleur, des hommes de couleur. Donc, c'est un vieil argument. Aux États-Unis, par exemple, cet argument il est identifiable très clairement parce que il y a eu un gros activisme autour de ça, notamment sur toutes ces accusations qu'il y a eu à l'égard des hommes noirs, toutes ces fausses accusations, cette espèce de phobie de l'homme noir comme étant un prédateur sexuel. Et il y a eu beaucoup de travaux justement féministes, des black feminists autour de ça. Dans les pays arabes, dans la région moyen-orientale, il y a aussi beaucoup de travaux, il y a tout un activisme féministe, notamment féministe postcolonial, transnational, qui a vraiment montré à quel point cette stigmatisation de l'homme arabe comme prédateur sexuel, comme violent par excellence, de cette région du monde comme étant dominée par un patriarcat musulman oriental. Tout ça, c'est vraiment un discours colonial extrêmement raciste, orientaliste, islamophobe. Et il y a des réponses à ça. Je trouve que quand même, on a vu le travail de ces 20 dernières années de féministes critiques, que ce soit intersectionnelles, transnationales, postcoloniales, qui ont bien montré que c'est un argument qui est vieux. Et donc, on a donc l'argument de féminisme blanc aussi, donc cette instrumentalisation du féminisme à des fins coloniales, racistes, d'impérialisme militaire. On a aussi aujourd'hui la critique de ce qu'on appelle l'homonationalisme, parce qu'il y a aussi eu beaucoup ça, c'est-à-dire il y a eu beaucoup, une propagande quand même assez importante avec ces photos qu'on a vues de l'armée israélienne qui arrive à Gaza et qui montre un couple gay et qui dit « Oh, maintenant, je peux être gay, je peux être libre d'être gay à Gaza. » Et c'est vraiment un même argumentaire. C'est instrumentaliser la question des libertés sexuelles comme du féminisme pour
à des fins vraiment de stratégie militaire, à des fins de déshumanisation de l'autre, de montrer que l'autre a besoin d'être envahi, a besoin d'être dominé, a besoin d'être civilisé. C'est assez même choquant de voir à quel point cet argument est utilisé, a été utilisé tellement de fois, mais il fonctionne quand même. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi, c'est un rappel, non pas que nous avons oublié, mais que autant je pense qu'au niveau académique, au niveau, il y a des espaces aussi dans le monde activiste, c'est-à-dire il y a des mobilisations politiques. Je pense que d'ailleurs, les mobilisations qu'on voit, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, notamment de la jeunesse, se nourrit de mouvements de décennies, de mouvements féministes, d'écrits féministes, etc. D'activisme contre la guerre aussi, je vois ça. Donc je vois qu'il y a une évolution quand même au niveau de l'activisme, c'est-à-dire qu'il y a eu un discours qui était prêt. On parle de 75 years of settler colonialism aux États-Unis, clairement, c'est-à-dire la jeunesse s'est approprié ce discours, donc 75 ans de colonialisme, de peuplement, etc. Mais de l'autre côté, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit même à l'échelle mondiale, cette polarisation, c'est-à-dire de l'autre côté, je pense que il y a vraiment une évidence pour beaucoup de gens que c'est du racisme, c'est du colonialisme, mais de l'autre côté, on se rend compte que ça marche à chaque fois et qu'il n'y a pas tellement eu d'évolution, voire même que l'islamophobie, la manière dont on voit l'homme arabe, le Moyen-Orient, les pays majoritairement, les musulmans en général, est aussi raciste, colonial, que finalement ça n'a pas bougé, que ça s'est même exacerbé de l'autre côté, en fait. C'est assez inquiétant, c'est assez inquiétant. Et ce qui est avec, je pense, les réseaux sociaux, c'est aussi la même polarisation, c'est que j'ai l'impression que on a d'un côté un activisme qui aussi circule très très vite, des arguments qui circulent très vite, des contre-preuves, des contre-arguments qui circulent extrêmement vite, mais de l'autre côté aussi, la bulle, on va dire, fasciste, hétérosexiste, capitaliste, vraiment incroyablement capitaliste, impérialiste, cette bulle-là aussi, elle circule très très vite. Et elle s'auto-nourrit, elle s'auto-argumente. Et c'est vraiment très inquiétant parce que quand on a par exemple le New York Times, que d'ailleurs maintenant on appelle souvent dans le monde militant le New York Crimes, qui a vraiment a été un outil de cette propagande israélienne, qui est un outil dans le sens où c'est le New York Times, par exemple, toute cette polémique autour de la systématisation des crimes sexuels qui est absolument faux. I mean, s'il y a eu des crimes sexuels, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Je veux dire, s'il y a des preuves, s'il y a eu une résistance armée, c'est une résistance aussi. Il y a du chaos, c'est de la violence. C'est de la violence et c'est. Et la violence militaire est souvent aussi une violence sexuelle. Ça, c'est sûr et certain. Mais la systématisation de cette violence, l'utilisation de cette violence de manière massive, donc ce mensonge-là est vraiment venu, par exemple, de journaux comme le New York Times, qui ont demandé, qui ont même demandé, il y a The Intercept qui a écrit un très très bon article qui a vraiment réfuté, qui a expliqué justement qui le New York Times a engagé pour faire cette recherche, quelqu'un qui n'avait aucune expertise sur les questions de violence sexuelle, et qui a dit très clairement que c'était le New York Times qui a proposé cette ligne, ce cadre d'analyse. C'est-à-dire que ça a été vraiment, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on dit c'est la ligne éditoriale de parler de ça au moment où il y a un génocide, clairement on explique que finalement la barbarité de l'ennemi peut justifier, on justifie en fait la violence qu'il y a sur place dans un contexte où on a un état colonial, une armée coloniale qui est soutenue par les plus grandes puissances mondiales. Et c'est ce qu'on appelle de la propagande. Et je pense que les journaux comme le New York Times, les médias en général, les médias, que ce soit en Europe, les médias mainstream, comme on les appelle,
ont une responsabilité, devraient être tenues responsables, parce que c'est une véritable propagande, comme en 2003, cette propagande qui était basée sur du mensonge et de la désinformation autour des armes de destruction massive, qui nous disait des choses sur Saddam Hussein, sur, comme je vous disais, libérer les femmes irakiennes, des mensonges, bien sûr, Saddam, c'était une dictature, bien sûr, mais là, on a vraiment une propagande, une machine médiatique, un rouleau compresseur médiatique, qui est là justement pour mettre de côté les massacres, un véritable génocide. Et je pense que, ah, mais, on peut espérer peut-être qu'un jour, ces médias seront tenus pour responsables. Parce que, comme certains l'ont dit sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un mensonge, des gens concrètement meurent à Gaza. Oui, et alors je voulais aussi vous demander justement, parce que cette propagande, elle est vraiment très très forte en France. On voit que tous les mouvements féministes qui oseraient un tout petit peu questionner tout ce discours de propagande qui entoure le 7 octobre, et il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, Israël se refuse toujours à l'organisation d'une enquête internationale indépendante pour déterminer ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Tous ces mouvements qui oseraient poser des questions, eh bien, on remet vraiment en question leur engagement féministe directement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous assistez aussi aux États-Unis? Ouais, absolument. Je pense que la pensée dominante est la même, je veux dire, cette pensée coloniale, raciste, elle est la même. Il y a des spécificités, je pense. Je pense qu'en France, on est encore plus limité dans notre liberté d'expression qu'aux États-Unis aujourd'hui. Il y a de la répression, c'est sûr, aux États-Unis, mais il y a quand même une certaine liberté d'expression. Je pense qu'en France, il n'y a pas de liberté d'expression. Je pense qu'en France et en Europe en général, alors en Allemagne, n'en parlons même pas, il y a cette montée du fascisme, elle est vraiment alarmante. Elle fait vraiment peur. Elle fait extrêmement peur parce que on s'est rendu compte que malgré tout, les mouvements antiracistes, malgré quand même tout, comme je disais, ces espaces qui se sont créés dans les mouvements militants, de l'autre côté, la société même dans son ensemble, je veux dire la pensée dominante, hégémonique, extrêmement islamophobe et extrêmement. Et on voit bien que c'est vraiment une question de whiteness, de blanchité, de solidarité blanche avec ce qui est représenté comme étant un espace, je veux dire, Israël est représenté comme une continuité de ce projet colonial, alors que la Palestine, Gaza en particulier, est représentée comme cet espace vraiment de barbares, de cet espace qui est l'autre, en fait. Et qui est complètement déshumanisée. Et là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant, parce que la violence est tellement immense, tellement énorme. On parle de 30 000 personnes. C'est majoritairement des enfants, majoritairement des enfants et des femmes. Cette violence, elle est incommensurable. Et la violence est tellement énorme qu'elle ne peut pas être niée, même par les médias mainstream. Et on sait que finalement, les faits ne sont pas toujours si importants, c'est la manière dont on les. C'est le frame, comme on dit en anglais, c'est le cadre d'analyse qu'on utilise pour parler de ces faits. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, quand même, on dit qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent. Mais même ce discours de femmes, les femmes et les enfants, c'est un discours qui a été extrêmement critiqué par. Les féministes. Les féministes critiques, hein, pas les féministes bourgeoises, néolibérales, capitalistes, blanches. Mais il y a quand même toute une critique qui a été faite de ce vocabulaire des femmes et des enfants qui est extrêmement aussi essentialisant, mais qui aussi montre que on peut s'alarmer pour les femmes et les enfants, mais les hommes arabes, les hommes palestiniens ne sont même pas des victimes. Ce ne sont même pas des humains. Ils sont, je dirais, par défaut, des terroristes. Ils méritent de mourir. Ils ne sont même pas considérés comme victimes. Un homme palestinien, un homme gazaoui qui meurt, n'est même pas mentionné. Sa mort n'est même pas mentionnée. Et d'ailleurs, quand on regarde le chiffre qui est donné par l'armée israélienne, quand ils disent on a tué
je sais plus s'il dit 7 000, 8 000, 7 000 ou 8 000 terroristes. En réalité, quand on regarde les chiffres, c'est les hommes. Donc pour eux, pour les Israéliens, de toute façon, la population de Gaza n'est pas une population civile. Ça, on le sait, et on sait que ça, c'est aussi des décennies de propagande vraiment sioniste qui a construit Gaza comme l'ennemi numéro un dans l'opinion publique israélienne. Mais aussi, je pense vraiment que ce discours des femmes et des enfants, d'ailleurs, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais beaucoup observé pendant l'invasion américaine de 2003 de l'Irak, que les hommes irakiens n'étaient pas considérés comme des civils par l'armée américaine. C'est-à-dire que quand il fallait bombarder, les femmes et les enfants étaient considérés comme des civils. Les hommes irakiens, par défaut, n'étaient pas des civils. C'était OK de bombarder un espace où il y a une foule d'hommes irakiens. Et vraiment, je pense que si on veut décoloniser les féminismes hégémoniques, je pense que, notamment en Europe et en Amérique du Nord, placer la subjectivité, les expériences, le sujet homme arabe au centre de l'imagination, c'est-à-dire faire exister l'homme arabe, l'homme musulman, comme être humain dans cette imagination politique, c'est une manière vraiment, c'est nécessaire pour décoloniser les féminismes hégémoniques. C'est-à-dire que faire exister, le faire exister, les faire exister en tant que sujet des féminismes, c'est extrêmement important. Et c'est là qu'on se rend compte que pour les féminismes du Sud, les féminismes décoloniaux, évidemment, les questions de patriarcat, les questions d'oppression sexiste, d'hétérosexisme, les questions sexuelles sont extrêmement centrales, mais on se rend compte qu'aussi toute une catégorie de la population a été aussi féminisée dans le sens des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que la place des hommes arabes, l'importance des hommes arabes, finalement, je veux dire, c'est une catégorie aussi opprimée. Et on le voit, je veux dire, en France aussi, c'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai grandi en France, évidemment, j'étais stigmatisée, évidemment, j'étais victime de racisme, mais mes frères, c'était encore une autre histoire, parce que moi encore, on me donnait le statut de victime. Bon, même si au bout d'un moment, on nous disait aussi que nous, les femmes musulmanes, on s'auto-opprimait, on s'auto. on s'auto. Voilà, on est des outils pour notre propre oppression, etc. Donc, je veux dire, la catégorie de victime nous était aussi. Vous nous a aviez de été toute aussi. façon le cerveau lavé d'office, c'était comme ça que c'était perçu, quoi. Ouais. Exactement. Donc, on a perdu cette catégorie de victime un petit peu. Mais quand même, les femmes arabes en général, justement, ont au moins cette catégorie, droit à cette catégorie de victime, qui est une catégorie extrêmement problématique, évidemment. Mais je veux dire, les hommes arabes n'ont même pas le droit à cette catégorie. Ils sont toujours coupables, ils sont toujours responsables. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, les femmes racisées, les femmes musulmanes, les femmes du Sud, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et je pense que c'est aussi là que les approches intersectionnelles nous informent vraiment de l'importance de l'imbrication des questions de genre, des questions avec les questions de racisme, etc. Et que on peut pas faire l'un sans l'autre. Mais c'est très intéressant ce que vous soulignez, qu'évidemment, et je le remarque ici, dès qu'on veut un tout petit peu défendre les droits et le droit à la vie actuellement des Palestiniens, La vie, exactement. on a un peu ce réflexe évidemment de parler des femmes, des enfants, et en oubliant qu'effectivement les hommes sont tout aussi victimes et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir réhabiliter cette souffrance-là. Et on voit aussi donc que la question des crimes sexuels est totalement instrumentalisée, comme s'il n'y avait que les Israéliennes qui pouvaient en être victimes, parce que justement, on a vu fin du mois dernier un rapport de l'ONU qui est sorti et qui a montré que les Palestiniennes étaient elles-mêmes victimes de crimes sexuels. C'est pas leur premier rapport qui en parle en plus. Et Non. ça, ici, en tout cas en Europe, Non ça a du été quasiment passé sous silence. Est-ce que ça a été le même cas aux États-Unis? Passé sous silence aussi. Ah, mais c'est pareil pour la question des otages. Les prisonniers palestiniens sont aussi des otages. Et on compte des milliers de prisonniers palestiniens, parmi eux des enfants. Effectivement, s'il y a systématisation des violences sexuelles, c'est bien à l'égard
des femmes palestiniennes, et on a une littérature immense pour le prouver. On a des rapports d'organisation pour les droits humains pour le prouver. Donc effectivement, et c'est là que vraiment on se rend compte que tout est vraiment question de frame, comme on dit, c'est-à-dire de manière de cadrer un débat, c'est-à-dire quelles sont les souffrances qu'on met en avant, quelles sont les subjectivités, les expériences qu'on met en avant. Aux États-Unis, tout le monde connaît les noms des otages, on a entendu leur vie, on a entendu des détails. Et pourquoi pas, oui, c'est important toute personne mérite qu'on passe du temps à parler de leur expérience, de leurs oppressions, de ce qu'elles subissent comme violence. Mais les violences systématiques, des décennies de violences systématiques, à tous les niveaux, je veux dire, même, on n'est même pas égaux dans la mort, parce que les Palestiniens ne peuvent même pas enterrer leurs morts de manière digne. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructure pour, je veux dire, même ce qu'on appelle les après-vies, quelque part, il n'y a même pas d'égalité dans les après-vies. On ne connaît pas tous les noms des Palestiniens et des Palestiniennes qui ont été tués par l'armée israélienne. On ne connaît pas tous les noms des prisonniers. On ne connaît pas ces subjectivités, ces expériences. On n'a pas créé d'intimité avec ces expériences. Au contraire, les discours hégémoniques créent une distance. Et au contraire, on crée une proximité, un sentiment d'appartenance avec la société israélienne en Europe et en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, oh, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Alors que les Palestiniens, c'est une autre humanité. Donc, effectivement, il n'y a pas de... L'expression des émotions spontanément va... vers, on va dire, une solidarité blanche, une solidarité vis-à-vis de personnes qui, on se reconnaît dans ces personnes, dans leurs expériences, etc. Et d'ailleurs, de l'autre côté, je pense que dans le sud global, notre solidarité pour les personnes racisées, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement viscéral dans les mouvements pour la Palestine, en Europe. Et en Amérique du Nord. C'est vraiment extrêmement viscéral notre réaction, parce qu'en fait, nous, on se reconnaît dans ces humiliations. Nous, musulmans, arabes, qui ne sommes pas en Palestine, mais on reconnaît ce discours, on le connaît intimement, et les personnes justement des pays du Sud qui ont été colonisés connaissent ce discours colonial, connaissent intimement cette violence coloniale. On n'a pas besoin de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On le connaît intimement et on répond à ça viscéralement. Et c'est intéressant parce que justement dans les pays arabes, à majorité arabe, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak, que ce soit la Palestine, ça a toujours été une question qui mobilise les gens de manière extrêmement spontanée. D'ailleurs, on pourrait même dire que la révolution égyptienne, une de ses composantes était des manifestations pour les Palestiniens et contre la guerre en Irak, d'ailleurs, qui a vraiment commencé à questionner un petit peu, même beaucoup, justement, la politique de Moubarak. Et on le voit, et d'ailleurs, on voit vraiment la déconnexion entre les élites, les élites politiques de ces pays et la population qui se reconnaît, vraiment ressent et se sent proche des Palestiniens. Et ça fait des décennies que la question palestinienne est une question qui mobilise les opinions arabes et aussi que ce soit les diasporas ou les personnes issues de l'immigration, les personnes racisées dans les pays européens, les pays d'Amérique du Nord. On a aussi compris que la Palestine, c'est une question qui est au cœur des systèmes de pouvoir qui structurent le monde contemporain. C'est-à-dire qu'on a compris que parler de la Palestine, c'est parler
de colonialisme, de capitalisme racial. C'est parler vraiment, c'est être au cœur, dire Free Palestine. En fait, si on réfléchit, si on voulait une Palestine libre, eh ben, il faudrait que l'Irak soit libre, il faudrait que l'Égypte soit libre, il faudrait que on se débarrasse de nos dictatures, il faudrait qu'on se débarrasse du capitalisme colonial, extractivisme racial. En fait, on comprend que Free Palestine, ça veut dire tellement d'autres choses. Ça veut dire le droit à la vie pour les Suds globaux, à une vie digne, à une vie belle, et pas uniquement le droit à la survie. Ça veut dire beaucoup de choses. Et on le sait viscéralement. Et je pense que c'est pour ça que, dans un sens, il y a quelque chose aux États-Unis en ce moment, en particulier en Europe, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais le fait que la jeunesse, notamment les personnes qui ont moins de 20 ans, pour cette jeunesse-là, et il y a une continuité, je pense qu'on a aussi beaucoup, et je le vois même avec mes étudiants, avec les gens qui m'entourent, que le Black Lives Matter Uprising, la question aussi indigène aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces discours autour de la question indigène et des First Nations. Et qu'il y a vraiment eu une intersection, le fait que le Black Lives Matter Movement avait signé BDS, justement. Ces intersections, je trouve qu'elles font que, justement, la Palestine devient une évidence pour la jeunesse. Et là, il y a vraiment quelque chose où on a une convergence des luttes qui a vraiment nourri le mouvement qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, qui est quand même un mouvement extrêmement fort. On est à 5 mois maintenant, et on a toujours des manifs assez énormes. Un des indicateurs, c'est les comités Justice pour la Palestine. Il y a 15 ans, ces comités, par exemple, étudiants, Student for Justice in Palestine, et aussi Jewish Voices for Peace, il y a peut-être 15 ans, à l'échelle des États-Unis, il y avait 2-3 campus. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de campus aux États-Unis où il n'y a pas un chapter, donc une branche de ces deux groupes. Donc vraiment, c'est-à-dire que la jeunesse américaine a exprimé vraiment son intérêt pour cette question, et il y a vraiment une convergence des luttes autour des questions noires, des questions indigènes avec la Palestine. Et aussi des mouvements féministes. On dit souvent aux États-Unis, Palestine is a feminist issue. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est le fruit des luttes féministes, des discours, des écrits, de la mobilisation, de décennies de militance et bien sûr la résistance des Palestiniens à l'intérieur de la Palestine. Alors, je veux dire, quand on a eu Black Lives Matter, on a eu aussi des Palestiniens, que ce soit à Gaza et dans la Cisjordanie, qui exprimaient leur solidarité avec les Noirs américains, qui avaient dessiné, on a sur les murs en Palestine George Floyd qui est dessiné. Et les Palestiniens, que ce soit les poètes, les intellectuels et aussi les militants, on connaît la poésie de Mahmoud Darwish et son sentiment vis-à-vis des indigènes, des populations indigènes, des Native Americans, et ce sentiment que c'est la même lutte, que c'est la même histoire. Donc vraiment, je pense que là-dessus, il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui, pour moi, est très positif. Mais de l'autre côté, et c'est là que je vois cette polarisation, les fascismes aussi, ils sont aussi très forts. Et ils ont aussi leur bulle de réseaux sociaux. Jusqu'à Ah, preuve du ce que je veux contraire, dire. ils sont... Ouais. Et ils sont, jusqu'à preuve du contraire, ils sont beaucoup plus proches des instances de pouvoir que nous le sommes. Comme le souligne très justement Zahra Ali, les tentatives pour justifier le génocide à Gaza procèdent d'un véritable mouvement de fascisation en cours en Europe et dont les discours se retrouvent de plus en plus souvent dans les médias mainstream. À Télé-Palestine, on essaye de faire contrepoids à cette tendance en donnant la parole à des personnalités comme Zahra Ali. Alors on compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vous abonner à cette chaîne et aussi pour nous soutenir si vous le pouvez en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.